cette fois-ci, ce qui m'a étonné, c'est que d'une part, avec des mesures de sécurité minimales, le stade était archi-comble. Premier élément sur le plan interne. Sur le plan externe maintenant, diplomatique, 20 chefs d'État et toutes les communautés économiques régionales du continent étaient représentées. Donc, il a pu convaincre ses pairs dans le monde entier et qu'ils l'ont accepté. Parce que le pouvoir de foi repose sur trois béquilles. Si vous êtes diplomatiquement fort, alors ça va très bien. Si vous avez une armée dissuasive, c'est déjà une deuxième béquille. Et la troisième béquille, c'est que vous avez une assise populaire. Et un élément aussi qui rend le chef de l'État populaire, c'est le fait que la population, mais aussi une grande partie de la communauté internationale, s'est finalement rendu compte qu'il a la stature d'un chef d'État, au fait qu'il est à sa place. Et ça, c'est très important, surtout pour un pays continent comme la République démocratique du Congo, un pays complexe avec des normes et difficultés. Je crois qu'il a une personnalité qui reflète ce que la population attend.